النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. Salam alaikum, bienvenue à tous et à toutes sur le plateau de votre émission Islam aujourd'hui. Donc nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui le professeur Eric Geoffroy. Monsieur Geoffroy, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes professeur à Strasbourg, à l'université de Strasbourg, ainsi qu'à l'université de Catalogne, et aussi professeur à l'université catholique de Louvain, hein, donc vous vous déplacez beaucoup. Hein. Vous êtes spécialiste du soufisme et de la sainteté en islam, et comme je le disais dans une émission précédente, on peut vous suivre sur votre blog www.eric-geoffroy.net. Et vous êtes l'auteur donc de ce livre qu'on a commencé à expliquer lors d'une précédente émission. Donc l'islam sera spirituel ou ne sera plus, qui a été édité par la maison d'édition Le Seuil. Voilà donc pour la présentation du livre. Alors on a encore quelques questions par rapport à cet ouvrage. Donc la première question est la suivante. Est-ce que la modernité de type européen qui est née au XVIIe siècle a atteint selon vous ses limites ? Je crois que c'est évident, je crois que c'est l'évidence même. Hein. Cette modernité, elle s'est constituée sur un détachement, un décrochement, je dirais, de dimension céleste, entre guillemets, de dimension spirituelle, parce que, il faut le dire, parce qu'en Europe occidentale, l'Église catholique était trop puissante, était trop mondaine, et donc il y a eu un retour du bâton, si je puis dire, hein, et que la France, par exemple, fille aînée de l'Église, eh bien, a passé la loi donc de 1905, donc de séparation entre l'Église et l'État. Hein, donc, mais bon, ça c'est un symptôme parmi d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est que cette modernité, en effet, elle se base sur le positivisme, c'est-à-dire sur la seule et stricte dimension observable, hein, donc du monde sensible, et donc du coup, pour prendre des termes coraniques, elle ne prend en compte que le alim al-shahada, c'est-à-dire le monde sensible, mais le alim al-ghayb, donc le monde du mystère, hein, bon, qui fait comme l'essentiel du monde pour un croyant, qu'il soit musulman, chrétien ou autre, eh bien, cette dimension est complètement donc estompée. L'émir Abdelkader, d'ailleurs, lorsqu'il, après avoir été libéré par la France, etc., il revient à plusieurs reprises en France lors des expositions universelles, par exemple. Il admire la technique européenne, mais enfin, il accompagne ce développement technique. Donc, on est en 1860 à peu près, hein, 50, 60, 70, mais il dit, attention, il avertit les Européens et les Français, leur dit, attention, le ciel va se refermer sur vous. Et voilà, c'est-à-dire que cette idéologie du progrès qui nous a encore bercé il y a même encore 10 ans, hein, 10, 15 ans, ah ben, on se rend compte que, voilà, donc, que le technoscientisme, que le matérialisme consumériste, etc., eh bien, mène l'humanité, mène la planète et toutes les autres espèces, hein, et donc les autres règnes, à un terme, en fait, à une fin. Quelque part, la crise que vit, on va dire, l'Occident aujourd'hui, n'est-elle pas due, justement, à cette fracture avec la spiritualité ? Bien sûr, tout à fait. Est-ce que c'est pas le résultat, finalement, les conséquences, et puis on est au bout ? Mais écoutez, comment dire, l'écologie, enfin disons le souci écologique et dont beaucoup d'humains maintenant sont conscients, enfin la crise écologique, d'un point de vue spirituel et notamment en islam, c'est impensable, hein, puisque il n'y a pas en islam donc de scission entre l'esprit et la matière en islam, et le principe d'unicité commande que finalement nous ne sommes pas autonomes, nous ne sommes pas des êtres, enfin des entités autonomes les uns par rapport aux autres, et que nous sommes interdépendants, puisque chez les spirituels musulmans, comme chez les philosophes musulmans et chez les théologiens aussi parfois, il y a cette nafs kulliya, il y a cette âme universelle qui nous relie tous.
Hein? Et donc, pour un spirituel musulman en l'occurrence, la scission entre l'esprit et la matière, et donc entre mon petit souci, moi personnel, moi ou bien ma propre civilisation, et l'autre en Afrique, l'autre en Asie, etc., eh bien, cette scission, qui est donc à l'origine de la crise écologique actuelle, elle est impensable en islam. Or, malheureusement, lorsqu'on se promène dans certains pays dits musulmans, on voit quoi? Hein, on voit un sabotage, je veux dire, enfin, on voit des sacs en plastique partout, donc une inconscience, alors que l'islam est basé sur la conscientisation. Hein, et on voit dans des pays, encore une fois, dits musulmans, une inconscience de ce que comporte, enfin, de ce qu'implique le principe du tawhid, c'est le principe de l'unicité. C'est l'interdépendance entre tous les règnes, hein, entre humains, entre Dieu et les hommes, bien sûr, mais entre les hommes, et entre les hommes, les animaux, les plantes, etc. Très bien. Donc pour un retour, on pourrait dire à un monde meilleur entre guillemets, il faudrait bien entendu apporter une révolution d'ordre spirituel et revenir à la spiritualité. Alors c'est bien tout à ça fait. Quelque part. Mais attention, donc, parce que le mot spiritualité, oui, souvent, ou alors le mot soufisme ou bien tasawwuf, sont compris, depuis une certaine propagande qui date d'un siècle. Hein, comme voilà, donc on définit les spirituels comme, enfin, on les qualifie d'être vivants dans une sphère éthérée, sans souci pour la umma, pour la communauté des croyants, alors que l'histoire d'une part nous dit l'exact inverse. Hein, c'est-à-dire que les spirituels musulmans, qu'on pense à l'émir Abdelkader, qu'on pense il y a beaucoup d'exemples concrets, ont été toujours appliqués dans la cité. Hein. Donc, mais, encore une fois, il faut partir de cette démarche intérieure, donc d'un travail sur soi et autour de soi pour rayonner. Hein, et non pas l'inverse. Alors, comment dire, oui, je vous ai coupé, pardon. C'est-à-dire, on ne se paye pas de mots. C'est-à-dire, on ne peut plus se payer de mots, même religieux. Même religieux, parce que la religion, elle peut être de la poudre aux yeux. Hein, si elle n'a pas un contenu, donc de sincérité, d'exigence, elle est ihsan. Hein, on connaît bien donc le hadith de Jibril, donc le hadith de Gabriel. Hein, l'islam, c'est le niveau donc rituel, hein, donc les cinq piliers. L'iman, la foi, c'est l'ordre théologique, et l'ihsan, c'est la recherche de l'excellence spirituelle. Eh bien, vivre uniquement maintenant l'islam sur le mode donc de l'islam tel que le prophète l'emploie avec l'ange Gabriel, ça marche plus. C'est-à-dire sans ihsan, sans cette quête donc de l'excellence, eh bien, c'est non seulement les musulmans, mais bon, c'est le monde entier qui entre dans une crise majeure, hein, et qui s'est jamais produite à l'échelle de l'histoire de l'homme. Très bien. Donc, en d'autres termes, hein, pour expliquer, enfin, dire la chose autrement peut-être. Donc, la spiritualité, solution à la crise. C'est un tout. C'est-à-dire, la spiritualité en tant que éveil, en tant qu'éveil de la conscience et des facultés cognitives, c'est-à-dire de la connaissance. Encore une fois, la spiritualité, surtout en islam, ce n'est pas une sphère, une bulle comme ça en l'air. Non, c'est pas ça du tout. Très bien. C'est un éveil de la conscience. Écoutez, le prophète disait, bon, c'est parfois attribué au prophète, parfois à l'imam Ali, les hommes sont endormis et ce n'est que lorsqu'ils meurent qu'ils s'éveillent. Hein, ça c'est connu comme parole. Donc le prophète ou bien l'imam Ali était bien conscient de cela, c'est-à-dire que l'homme vit dans un état de distraction, donc elle rafla, hein, donc répété. Or, ça a fonctionné durant des millénaires, hein, et durant des siècles à l'époque historique. Maintenant, nous entrons dans une époque post-historique, on peut dire post-modernité, etc. Et il va falloir inventer d'autres solutions. Globales, encore une fois. Et là, l'islam a son rôle. Très bien. Donc, quel rôle pourrait jouer l'islam pour apporter des solutions, comme vous dites, et en France? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, les musulmans qui vivent en France, voilà, quelle solution ils pourraient apporter? Comment, on va dire, rendre plus concret cette spiritualité sur la vie en société en France? Voilà. C'est-à-dire que moi, en tant que musulman, avec ma spiritualité, qu'est-ce que je peux apporter par rapport à cette époque post-moderne?
Voilà ma question. Bien sûr. Eh ben, du sens, déjà, du sens à la vie. Hein, parce que on dit que notre époque, à notre époque, les gens manquent de repères. Eh bien, en islam, sans parler du soufisme, le repère, il est intérieur. Bon, puisque, comme disait le prophète, la réelle mosquée, c'est la terre entière. Parce que la terre entière est donc une mosquée pure. Hein. Bon, donc ça, c'est un hadith. Donc, vous voulez, c'est le fait que je ne peux plus trouver des repères formel, qu'il soit d'ordre religieux, sociétal, même affectif comme avant, bon parce que tout bouge très vite. Mais par contre, je dois retrouver en moi, en fait, mes repères intérieurs. Et ce que j'imagine, ce que je donne en tant qu'image, je veux dire, en tant qu'axe du tawahid. C'est-à-dire que puisqu'il n'y a plus de prêtrise en islam, je veux dire, l'islam abolit la prêtrise, hein, donc il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et l'homme, et donc chaque être humain, et chaque créature d'ailleurs, hein, les pierres et les végétaux, etc., ont un lien avec Dieu, un lien personnalisé. Et donc chaque être humain, en l'occurrence, porte cet axe de l'unicité, partout où il est. Et donc la mosquée n'est pas un temple. La mosquée n'est pas un temple. Et donc je peux prier, et souvent je suis plus à l'aise si je prie en pleine nature que entre quatre murs. Vous voyez? Donc il y a cette ouverture, il y a cet universalisme. L'islam est une religion en fait universelle. Toutes ne le sont pas. Hein? Donc c'est le christianisme, l'islam, bon, bouddhisme aussi. Alors que l'hindouisme est lié au fait d'être né hindou, le judaïsme aussi en principe, etc. Donc, ce sont des valeurs d'ordre universel qui doivent être réappropriées, puisque le vécu des musulmans au cours des derniers siècles, eh bien, a été entaché par la coutume locale, du style excision. L'excision, et alors, le pire, c'est l'amalgame. On vous dit que l'excision, c'est l'islam. Hein, ça, c'est l'islam. Alors que non. Et de plus en plus, on se rend compte, hein, maintenant, donc les penseurs musulmans l'écrivent, on se rend compte que souvent, bon, non seulement la coutume va à l'encontre de l'esprit du Coran, mais cette coutume a été validée par le fiqh, c'est-à-dire par les fatwas et par les actes religieux, donc des juristes musulmans. Hein, et que leurs décisions ont été, dans des contextes politico-religieux X ou Y, ont été de plus en plus à l'encontre du Coran. C'est-à-dire que les contextes sociopolitiques auraient influencé les juristes musulmans. Pression politique, pression sociétale, voilà. Voilà. C'était un exemple peut-être qui vous viendrait à l'esprit. L'excision, par exemple. Voilà. Très bien. Bon, le grand mufti d'Égypte, donc Ali Gomoa, a dû revenir à plusieurs reprises à la charge, et donc pourrait dire que l'islam n'a rien à voir avec l'excision. Et qu'en islam, on ne mutile pas le corps. Hein, bon, c'est un exemple parmi d'autres. Hein, bon, sans parler du rôle de la femme. Hein, bon, là, ce serait tout un dossier, mais il est évident que du vivant du prophète, la femme avait une teneur, une densité, je veux dire, ontologique, spirituelle et même juridique, et qu'elle a perdu très vite. Hein, très vite, avec les premiers juristes, très vite. Hein. Et puis, ça s'est renforcé. C'est dû au sexisme local de certaines régions. Voilà. Écoutez, c'est simple. Donc, je vous disais avant que c'est vers le 15e siècle qu'en gros, qu'on date l'affaissement de la culture islamique donc globale. La pensée, et bien, on sait aussi que le rôle de la femme a été considérablement amoindri à cette époque. Jusqu'au 15e, jusqu'au 14e, 15e, la femme a un rôle d'enseignement islamique, même par rapport aux hommes. Ibn Hajar dit avoir pris des sciences islamiques de 50 femmes. Suyuti, donc, qui n'est pas le dernier, a pris le hadith de 12 femmes, etc., etc. Et tout ça, après, à partir du 16e, ça s'atrophie. Hein. Donc, ce sont des questions culturelles, ce ne sont pas des questions religieuses. L'islam est l'islam. Après, ce qui a changé, c'est le vécu, donc culturel, sociétal, psychosociétal, sous les donc des gens. Et donc, le salafisme, le djihadisme actuel n'est qu'une réaction civilisationnelle. En fait, ça n'a rien à voir avec l'islam, évidemment. Bien sûr, bien évidemment. Très bien. Donc, voilà. Donc, ça fait maintenant plus de 3 ans que vous avez écrit cet ouvrage.
Donc il s'est passé deux choses très importantes pendant ces 3 années. On a eu donc le printemps arabe qui n'est pas terminé encore, et on a eu donc cette crise sans précédent en Occident et en France. Alors, si vous aviez des passages à développer ou à rajouter dans votre livre après ces 3 années, qu'est-ce que vous auriez à dire aujourd'hui? Alors, la crise en Occident et donc la crise financière globale, disons, en fait, c'est ça, c'est une crise de système, enfin donc une crise systémique, elle entre tout à fait donc, de ce que je dis, c'est-à-dire c'est la fin du modèle de la modernité européenne, de type européen, donc type de enfin, modèle que l'Europe a exporté, en fait. Hein, la Chine actuellement est dans ce modèle à fond. C'est-à-dire il faut produire pour consommer, pour se développer selon le modèle en fait européen du 17e, enfin 17e, 18e, 19e. Hein, c'est pas autre chose, quoi. Mais sauf que c'est exponentiel. Donc c'est la fin d'un modèle. On le voit, on le sent. Écoutez, moi je le vois, même à des petits signes. Je suis invité parfois à intervenir dans des écoles d'ingénieurs, dans des écoles de directeurs d'hôpitaux, par exemple, hein. Enfin, par des associations, donc des directeurs d'hôpitaux. Parce qu'ils me disent, voilà, on soigne des gens, mais on n'a plus le sens de ce qu'on fait. Où est le sens? Eh bien, ils vont demander, enfin, à moi par exemple, mais aussi à d'autres, je pense dans d'autres religions peut-être aussi, voilà, qu'est-ce que cette démarche spirituelle, qu'est-ce que le soufisme peut apporter dans le monde actuel, et des écoles d'ingénieurs, c'est-à-dire que ils se rendent compte par eux-mêmes que le technoscientisme et le mythe du progrès, ça y est, c'est l'impasse, hein, et donc on a besoin d'autres choses, d'une autre dimension, c'est-à-dire qu'il faut retrouver cette dimension évacuée avec la modernité, hein, donc il faut évacuer cette, enfin il faut dépasser cette vision borgne du monde, c'est-à-dire, et donc on dit que l'Antéchrist est borgne. Hein, c'est-à-dire que, en fait, on vit dans l'unidimensionnalité. Hein, le monde, il se limite à ce que je touche. Hein, c'est Saint Thomas, hein, l'évangile. À ce qui est palpable, ce qui est voilà. Visible, ce qui est abstrait. Alors que concret, toutes les sociétés humaines, jusqu'à il y a 3 siècles, et puis encore maintenant, celles qui sont hors d'Occident, plus ou moins, ont vécu dans une multidimensionnalité. Vous voyez? Or, et c'est ce que nous devons retrouver. C'est-à-dire la raison, bien sûr, la raison en général, et la raison de type islamique, parce qu'on sait très bien que l'islam a développé un type de raison, mais une raison élargie, une raison et qui doit fonctionner avec l'intuition, avec l'inspiration, et tout ça doit marcher de pair. Et le soufisme, historiquement et principalement, n'a jamais cherché qu'à restaurer un équilibre, précisément entre une raison argumentative, ça, et l'inspiration et la révélation, entre guillemets. Le sens et la même Razali, c'est ce qu'il nous dit. Le soufisme, c'est El Mizan, c'est la balance. Hein. Il ne s'agit pas d'être complètement ésotériste, complètement allumé comme ça, enfin illuminé. Non, c'est pas ça du tout. Il s'agit donc de trouver l'équilibre entre ces deux dimensions, entre ces deux polarités de l'islam, et ainsi on peut, enfin l'être peut devenir plus accompli et approché de l'idéal islamique de l'insan el kamil, l'être humain réalisé, l'être humain accompli. Très bien. Par rapport au monde arabe, donc vous parlez dans votre ouvrage à un moment donné, vers la fin, de ce qu'on appelle al maqasid, maqasid al-shar'iyya, donc les finalités de l'islam. Alors est-ce que ça pourrait être éventuellement une solution envisageable en termes de modèle politique dans le monde arabe actuellement? Alors, politique au sens vraiment très large, hein, large et principiel. Oui, bien sûr, bien sûr. Et il y a maintenant, c'est un thème qui est, je dirais, travaillé et qui est devenu à la mode presque, je dirais, hein, mais à la mode au bon sens du terme, c'est-à-dire on se dans rend les compte pays arabes, hein, vous voulez dire. Oui, là, tout à fait. Mais même de l'islam d'Occident, on se rend compte que ces maqasides, donc c'est une méthodologie géniale, hein, et donc médiévale, ancienne. Et donc il faut la revitaliser en l'adaptant donc à notre époque et notamment face à la crise écologique et éthique et bioéthique,
Hein, donc les cinq valeurs mises en avant notamment par Chatibi, donc au XIIIe, XIVe siècle, eh bien doivent être, je dirais, revisitées et donc retravaillées. Et ça s'est fait bon par des milieux divers, donc au sein de l'islam. Bon, moi ce que je dirais donc simplement donc d'un point de vue spirituel, c'est que il faut mettre parmi ces visées ultimes de l'islam, la spiritualité, c'est-à-dire le droit à la vie spirituelle, hein, c'est-à-dire le droit au souffle spirituel, hein, parce que les gens meurent de ça. Je veux dire, comprends le hadith du prophète qui dit la différence entre ceux qui pratiquent le zikrullah, donc l'invocation de Dieu, et ceux qui ne la pratiquent pas, eh bien, c'est équivalent à la différence entre le vivant et le mort. Voilà, c'est-à-dire que il y a des morts vivants. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont vivants donc physiquement, mais l'âme est morte. L'âme est morte. Et donc, et c'est des cris de détresse. Vous savez, actuellement, on le voit en milieu musulman comme en milieu non musulman, il y a des cris de détresse. Bon, enfin, moi, je reçois ou d'autres. Hein, on le voit bien à travers les différents, enfin, les multiples suicides qu'on peut, voilà, qu'on peut voir dans les entreprises. Voilà. Et puis, quand même, en pays musulman, s'immoler par le feu. Ça, c'est se dire qu'on est passé à autre chose, on est passé à une autre dimension. S'immoler par le feu en pays musulman, nar, bon, c'est quand même particulier. Donc, on entre dans un autre paradigme. Donc, c'est la fin d'un monde. Bon, c'est pas la fin du monde, bien sûr, mais c'est la fin d'un monde. Et on peut entrevoir donc les soubresauts d'un monde nouveau. Mais évidemment, comme l'humanité globalement n'est pas assez consciente, eh bien, il y a le passage va être difficile. Bien sûr, mais bon, c'est la miséricorde, c'est le travail des uns et des autres, chacun à sa place, chacun là où il peut. Vous voyez les choses d'un œil positif, négatif actuellement, à terme positif, oui, à court terme, non, négative. À court terme, négative, mais à moyen terme, on va dire, mais bon, là, c'est un temps un petit peu difficile à préciser. Non, c'est positif. Mais il y a une période de crise et qui est plus profonde encore que ce qu'on voit et que ce qu'on croit actuellement. Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention, pour votre venue ici, Monsieur Geoffroy. Donc, je rappelle, hein, l'islam sera spirituel ou ne sera plus, édition Le Seuil. Et à très bientôt, Monsieur Geoffroy. Chers auditeurs, salam alaykoum wa rahmatullah. À très bientôt. Salam alaykoum. Salawatullah yani wa yanalul barakat kullu man salla alayhi an-nabi sallu